La possibilité de prospérer malobatata mokambi ekolo lors ya discours na sur état de la nation discours et ça le makabambo la nyonso kasi particularité j'allais dire particularité ya deo ezali que alobaki alobi yango pona mbala ya suka pona kenkena na ye poto sokende solo na maponomi ba akinini esenge ko batela atata ba mama bilenge bande ko bakongomani nyonso partout à travers le monde mbote pe boye bolamu na manaka ya pona Congo ya lelo discours atata makondi ekolo tokokota penza na mozindo kasi ya mboto découvrir même ba invité à tongo na lelo quelques sujets d'actualité. Congo Airways annonce la reprise des activités après deux mois de suspension. La compagnie aérienne nationale précise que cette reprise des activités a pour mission d'assurer le déploiement de la population à travers le pays en toute sécurité et sérénité. Dans le même chapitre ou le même registre, le ministre des Transports a fait un appel d'offres d'acquisition de deux avions Airbus. Et après son discours devant la représentation nationale mardi dernier, Félix Tshisekedi a dirigé hier la dernière conférence des gouverneurs et son premier quinquennat. Cette réunion qui vise à promouvoir une collaboration harmonieuse entre le gouverneur de province et le gouvernement central. À la même occasion, le 26 gouverneurs, le gouverneur de 26 provinces ont réitéré leur soutien à la candidature de Félix Tshisekedi pour les élections présidentielles prévues le 20 décembre prochain. Qu'est-ce qui s'est dû, Nathan Walelo, parmi l'actualité, dont il y a Japon, il y a l'Osopona au Kosonga gouvernement congolais, actualité monsieur Zalipe sport na biso bisika baliopard ba yeba kibongo kozwa deux buts à zéro ba yeba kibongo ko kenena Mauritanie ezalaki score ya 2-0. Le chef de l'état zalaki na terra lobby le qui ezalaki quand même moko ya ba actualité ya esengo. Et parmi ba actualité monsieur Suyaton on a lelo, nous allons vraiment essayer de creuser sur les acquis à conserver, mais aussi nous allons parler de l'intolérance sous le problème qui se passe au niveau ya Malembankulu wapibisika ba bisibiso kimia ici ezongi kasi epekisite to creuser parce que ba camp politique bazali ko bwa kana mabanga quand on a des lobaki quand monsieur lobaki est-ce que bangambo ya Moïse Katumbi bazali ko se sentir concerné to pe reprocher na oesalemi to tout na bango na mozino mais aussi vision na bango sur le grand Congo récemment ba présenté Kibongo programme to projet de société na bango nyonso wana to lobelango na bande kwazana biso sur ces plateaux pona Congo to lobela Congo na tonga lelo na ndeko Jakindala zana biso sur ces plateaux Mayi Matali République démocratique du Congo azar candidat député kasiazali pe membre ensemble pour la République ezali particière ya Moïse Katumbi azali candidat président de la République mon amboka déjà ko rejoindre Bicho, Ndeko, Jakinda, la Mbote, Pibouye, voilà. Mbote, mon ami, ba na mboka Congo, bazo tuna, pourquoi Moïse Katumbi aza ko se faire représenter et si ka nyonso a se faire représenter qui pona ko déposer candidature na ye a se faire représenter pona représenter projet de société o ye fois kambela mboka, mais finalement est-ce qu'a ko gérer mboka par procuration parce qu'elle a trop occupé que ma mboka est vraiment plus importante et pas là. D'abord Bandeko Mbote, micro et katakitan na ezekolo baté nzambe ya lola nzambe ya voulu kimbangu abaté la Congo pe sa biso makasi pe nguya ya kuluka ko kambe kolona lolenge longo bani mama nomi bandeko balandi boye baté de ko Moïse Katumbi azali na makambo ebele otobia linga na mambi ebele ba responsabilité ebele ya kozwa mingi penza awa tokomi na
quoi tout pardon na tongo tongo na tongo tongo ya ma ponomi ba partenaire naï ba commande à salaire pour le matériel ya campagne il faut l'année langue yimoko parce que wobi yimo de facha signature ba avion ba hélicoptère ba moto ba mituka le bloc ya salaire commande pour ya il fallait arrêter à ce qu'en décota la yango malam malam malheureusement agenda na iso coïncider que et le consul le sama mokolo wana ya za mbukate en dehors de ça il y a pas de problème ba lamboka ba za kimia présentation il y a programme na yeselema ki bongo parce que il fallait aya évidemment fallait aya mais nous salamé na niveau ya ya rapport azangi nango ya ko kutana na ba partenaire na ye on a kenda ki et quand même tout ya ki ko s'exprimer bossa ba lamboka pe ko expliquer ba mon point il faut pas pour na ya ngonda s'excuser ki je crois que kalamingi ta ba romona ko ya lever coup de moi lever option ya ko sala ngo na chaque province tant okende je crois que wala ko ndeza ki toko makasi na province ya tambo la rovanda li bossa pia pia ya population avant li bossa ya media a lobe li programme na ye a sala ngonde wana pendant la période de campagne a sala ndingwana o esalma l'autre fois ayeka ka lancement et le reste yimo ko sala ngo propre ma pena ninga batmo linga estele ni ozo loba na opinion ezo kanisa o ezo loba ke Moïse Katumbi ezo kima ko affronter caméra ko affronter banamboka na kanisi banda masola ma pona me bandi eza na candidat mokote o ezo ko tambola na Congo lo kola Moïse Katumbi yoku toza mon pasisan ko ko ebisa bango eza na candidat mokote tamboli Congo mo bimalo kola Moïse Katumbi caméra alegre ma mission boni na kanisi boni na ba TV5 ba France 24 les Mikoloyi ou les Kuchukoleka ou les Kolerana, ou Chukolerana chaîne, mon na Lubumbashi Kuna, ou Lubi Masolo, ou à l'obéi qui a même battu la opposition à Jean Val pour la opposition et Kendego Solo là. Donc, à Robanga Kamera, à Nengenini, à Robanga Kolubosa, à Nengenini, Moto à d'autant dans la Katia population, soit comme les Skaba, il n'y a pas longtemps, je crois que Lubi Loleki, hier, à Zalagina Kasenga, à ce moment des millions, masse, marée humaine, il y a qui wana, à Solina Bango, soit à Robanga Kamera, à Nengenini. Est-ce que c'est un candidat Oyoyebi, Mikolonyon, chaque semaine, dans la population de Congo, Oyoyebi, autant qu'il y a un Congo, je ne pense pas. Très bien, merci beaucoup. Tous les gens, Patrick Makanga, Zali Moko, Yabandeko, FDCA, Zali Nabisho Longo, Zapé candidat, pour rejoindre Abisho sur ces plateaux, Tobé Tamasolo, Maïmatali, Mboka Congo, Ndeko Patrick Makanga, Mbote Pébou Yébola. Mbote Maman Naomi. Ma tondo mingi na invitation na mokolo ya lelo na kopesa mbote na bayi kongole nyonso bisika babelemi ba Hollanda biso et puis mbote na ndeko ya Kindala. Très bien. Tout fond la maï matali mboka Congo déjà si j'ai na biso ya liboso to banana reprise ya activité ya Congo Airways. Congo Airways a annoncé reprise ya activité après des mois de suspension. Est-ce que le coup Patrick Makanga ezali bon bonne nouvelle pour na ba Congo alors que to ebi ke problème ya ba avion ezali ko persister? Oui, ce qui est vrai, s'il faut to loba en toute objectivité, il faut comprendre que Congo Airways est une entreprise vraiment en difficulté. De un, pourquoi? Parce que d'abord, de par sa création hétérogène, création d'Ango à l'époque, le gouvernement congolais parlait billet et le premier ministre Matata Ponyo Azali, actuel candidat président de la République, en même temps, il y a un problème dans le dossier à Bukangalonzo na justice. A dû presque imposer na entreprise du portefeuille de l'État et a coupé sa quota pour la création de Congo Airways. De telle enseigne que, à force, bango y a comme actionnaire de Congo Airways. Actionnaire moko oyo, batikala vraiment ko bénéficier te en termes de actionnaire de bango, tiens, kata Congo Airways. Preuve en est que, batikala ba entreprise ba za actionnaire na Congo Airways batikala ko zo ata facilité mon côté même en termes de déplacement na bango dans la même entreprise utilisant les mêmes aéronefs. Voilà, c'est de là que j'ai fait sortir l'hétérogénéité la création à Congo Airways et ensuite la gestion à Congo Airways. Mais c'était une gestion folklorique à l'époque du même premier ministre Waza Kanda, président de la République aujourd'hui. De telle enseigne que, il nous a parlé des Kimpanvita, des avions ceci, des avions cela, des avions que nous n'avons pas vus. Des avions qu'on a même peints au visage des gens, pour qu'à la fin de compte,
Tout ce qu'on a vu en athée. Alors, l'héritage de Congo Airways, c'est un héritage déjà biaisé, de telle enceinte que, avec des influences politiques, bah, augmenter la bah, charge fixe par le biais des engagements intempestifs. Des engagements intempestifs et augmenter la bah, charge fixe. Au-delà de ça, ce qui fait que les recettes avec le peu d'avions au Congo Airways, Zazanango, bah, recettes, Oyo, Isaac Osalema, bah charge fixe donc bah charge fixe paye à bah personnel bah besoin de fonctionnement de l'entreprise et ça dit que les gens ont oublié l'amortissement des avions donc pour dire qu'il y a exactement mes gestion Mokobo est déjà mise en place dès le départ à la création d'entreprise voilà. Parce que si on pose la question à Congo Airways en 2018, quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu le pouvoir, quel a été le budget d'investissement de Congo Airways et pour permettre Congo Airways à acquérir bah, Aéronef Moussou Yassika? Tu verras que c'était presque nul. Donc, et comment qui entreprise Morobo, il y a consommation. Et quand une entreprise a accès totalement à la consommation, c'est une entreprise qui est appelée à disparaître dans le temps. Et bien, c'est l'héritage. Il y a Congo Airways. De telle enseigne que la politique mise en place, accès à bien-être et à la population, faisant en sorte que les entreprises d'aviation bah, diminuent bah, billets et avions et augmenter la capacité des Congolais à voyager, les avions ont encore beaucoup plus travaillé. La situation catastrophique au Bazaki Neango, ce n'était que normal. Tout comme la situation que non, entreprise n'ayant pas de moyens d'investissement, n'ayant pas mis en place un planning adapté sur le plan managérial dans l'évaluation des risques et consorts, c'est normal que Congo Airways a connaître après ma connaissance. De là, j'ai salué. De là, il faut saluer l'effort du gouvernement. Samalo Kondé, le gouvernement de l'Union Sacrée, qui du reste n'a pas croisé le bras face à la catastrophe qui est arrivée. Ouais. Parce que tout le monde a, sous d'autres cieux, dans des républiques passées, tout le monde a s'est transformé dans d'autres entreprises et consorts. Mais curieusement, avec le gouvernement de l'Union Sacrée, sous l'égide de M. Michel Samalo Kondé, on a vu que le gouvernement n'a pas voulu envoyer Congo Airways dans les rangs, il y a Balak. Et j'en passe. Le gouvernement a mis des moyens pour donner vie à cette entreprise. Je salue par ricochet le ministre des Transports, Jean-Marc Ekila. Je salue le Premier ministre et je salue l'énergie fournie et l'action menée du chef de l'État pour le bien-être du souverain primaire qui est la population congolaise. J'atterris, disons que j'ai suivi avec attention soutenue la question que vous aviez posée sur l'absence du candidat Moïse Katumbi Tshapwe. Je voudrais soulever un point, peut-être qu'il pourrait aider la communication de l'ensemble. Il ne faut pas donner l'impression comme si Moïse Katumbi était trop pris pour assister, il était trop pris dans d'autres responsabilités pour assister ou soit que ça quittait na devoir na constitutionnel parce qu'il était le seul absent. De tous les candidats, ce n'est pas bon signe. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le même jour, il devrait, après avoir fini avec la CENI, aller inaugurer la route Nzolana. Le même jour, il devrait aller inaugurer la station Line Zongo 2, Zongo 2 Kintuka. Donc, pour dire que c'est là déjà sous d'autres cieux, dans d'autres démocraties, et je la qui ça, l'efficacité ou soit la perspicacité d'un candidat, l'aptitude physique d'un candidat face aux responsabilités de l'État, la mobilité d'un candidat face aux responsabilités de l'État. La question là, qui peut être posé sur ce point et de savoir est-ce que M. Moïse Katumbi Tshapwe est apte à embrasser les responsabilités de la République démocratique du Congo sous tous les aspects pendant qu'il s'est soustrait déjà de certains de ses devoirs? Est-ce que
Cela ne va pas nous amener à faire des études approfondies sur son état de santé, surtout que ces dernières années, il y a victime de poison à l'époque. Est-ce qu'il est vraiment fort? A-t-il une manière solide? A-t-il une aptitude? A-t-il une force de diriger le pays au Natal et au continent pendant que ma responsabilité à campagne est de bloquer et de soustraire le devoir aux populations? Parce que Moïse Katumbi Tchapo sera voté. Ça, je le sais. Il a des gens qui sont derrière lui. Preuve en eux, on a M. Sakinda en face de moi qui va voter M. Moïse Katumbi Tchapo. Et bateau, on n'a pas voté. Bon, Zélaïe, dans des réunions telles qu'avec la CENI et consorts pour harmoniser le vu, pour savoir comment mettre en place un cadre de concertation pour avoir des élections transparentes, apaisées. Mais M. Moïse Katumbi Tchapo s'est fait représenter. Et ce n'est pas pour la première fois. Il s'est fait toujours représenter. Écoute, il y a une blague. Il y a quelqu'un que je suis. Ça, c'est une blague, je le dis bien. Dans les réseaux sociaux, il a dit bientôt, M. Moïse Katumbi Tchapo risque de se faire remplacer dans son lit conjugal. Ça, c'est une blague. Une blague. Merci. Voilà un peu. Donc, pour dire qu'un candidat président de la République doit faire preuve d'aptitude et de l'intérêt. C'est comme si M. Moïse Katumbi Tchapo sait que à côté, dans une entreprise, Oyo Aibi Kakozouan a été, mais il veut tenter sa chance. Et surtout, tout est bien été, la plupart des opposants au côté processus électoral, côté qui pendant ma canisse à ma ponomité, côté qui vit ma signaux, ma analyse, ma zaki non sur la CENI, qui n'ont élection que ça les matins, vu que tous les candidats qui ont pris la table à négociation pour qu'on partage le pouvoir. Vu que le processus électoral revêt l'irréversibilité, et ben ils sont pris au dépourvu. Maintenant, ils avancent à tâtons. Est-ce que moi, je les exhorte de s'assumer? Et on va parler avec eux des si réalisations, on va parler avec eux du concret. Makanga. Merci beaucoup. Chef de l'État, l'obéi magamébélé, makamétal, il va avancer, va projet, va réalisation. Moi, Mingi, Kasiba Lamboka, va mituni, a zongé les promesses, naïe, va vianter. Le loyo Congo Airways est relancé, va activité. Rosal Manéni, est-ce que vous en allez calmer si tout comme il va pis sur situation Ango? Est-ce que reprise y a activité? Il y a un problème de lobbying de Kao, tu peux expliquer, jeunesse, il y a un déjà qui m'a dit, il y a entreprise Congo Airways. Assuré Azala tranquille, Azala candidat à Tchangolo Kolanga, donc au Bunda, nous sommes balés. Déjà, bonne chance, frère. Merci. Si on a des patriotes comme ça, comme vous, en assemblée, en national, je crois que tout Azala n'a. Évidemment, tu as besoin de l'Ongasika. Je vous connais personnellement et puis je veux juste que vous avez mené comme combat, comme lutte autour de valeurs républicaines. Merci. Je vous rassure que le président Moïse Katumbi est en forme, en bonne santé. La preuve, bon, peut-être au Landaraba parcours, on a été Moïse et c'est le seul candidat parmi une vingtaine ou un assaut à commun dans le territoire Moko à Kitar en avion à Tamboli, à kilomètres, à kilomètres, à Makolo. Je crois qu'on m'en a rien. Alors, comme tout le Kolobatek est toujours ça, la nettie, M. Katumbi a trop chargé. Non, non, il est vraiment trop chargé. Je vous dis la vérité. C'est parmi les candidats Oyo, à Banda Makambuya, à démarche, il y a matériel électoral. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, matériel électoral, Bandakala. Et bah comment on a passé qui, évidemment, il faut l'indé l'angoye moko, oui, carrément, oui, comme on est exact, c'est belé. Alors, comme on est né, il faut vraiment à l'indé l'angoye, on a des détails. Il y a des rendez-vous, tu vois, même, tu sais que même pour la campagne Miopé, aux gens ont besoin de financement, il y a des gens, maman Nomi, tu as besoin de la France, à Robin Alimoun, en tout cas pour la campagne, tu as besoin de 1000 dollars. Bah, donc, il y a des gens comme ça et des partenaires comme ça. Donc, cher Patrick, soyez calme. Mais je voulais quand même répondre à Makambolobi à Congo Airways. Au Saturday, il y a s'en prendre à Matata Pugno, candidat président. Moi, ça me gêne un peu de défendre certaines personnes, surtout qui sont avec nous en compétition, mais en tant que patriote, voilà ça là. Matata Pugno a lancé entreprise Wana Congo Airways, dans la condition Toyebi, a lancé entre autres entreprises, nous a lancé qui a un transport interurbain, Transco, tel que le pays est à l'acquis. Comment Patrick peut dire qu'à la prise, il y a pouvoir, il y a président Tshisekedi, mais ben, il y a un budget, il y a budget d'investissement, budget Congo Airways, la hauteur et budget d'investissement. Oui, on parle, on est en famille, ouais. Oui, j'avais dit ceci, au début, il y a mandat, il y a actuel chef de l'État, dans la politique sectorielle. Congo Airways n'avait même pas
un budget d'investissement de taille à prendre en charge cette entreprise. Okay. Voilà, ça c'était Congo Airways n'avait pas un budget d'investissement de taille. Mais Congo Airways, c'est une entreprise de l'État. Je crois que l'État, c'est l'investisseur. Donc, je ne sais pas s'il y a, il y a d'autres actionnaires. C'est une entreprise commerciale. Voilà, oui, évidemment. Mais l'État est une société commerciale. L'État a placé un capital. Congo a beaucoup d'avantages. Quand vous vous rendez compte, à la prise du pouvoir, comme vous venez de le dire tout à l'heure, que Congo Airways a un budget aux Olubawanate, quelle était l'action du gouvernement à l'époque? Sama, soit-il, ou Inunkamba, ou alors lui-même le chef de l'État, celui qui est censé diriger le pays. Quelle était sa réaction? Entre parenthèses. Vous savez, mon frère, on peut tout dire, hein, on peut tout dire, mais il y a un sérieux problème dans la gestion. Il y a une gestion opaque, il y a Congo. Maman, on a dit tout à l'heure, le président Félix a un stade lobby. Vous savez ce que ça coûte? Ce que le chef d'État, n'a pas naïe à quelle activité publique. Allez, ce que ça coûte dans le trésor public. Vous savez ce que ça coûte? Maman, on a dit tout à l'heure, il y a 10 millions. 10 millions. On a un trésor dans l'Hollande, il y a un moteur, il y a 10 millions, sur l'avion, 10 millions de dollars. Non. Une affaire à 10 millions de dollars pour relancer Congo, ceux qui avions mis balayé ça tout. Je crois que c'est un peu ça. Congo Airways a annoncé que maintenant la société maintenant est prête. Avec combien d'aéronef? L'entreprise dit être prête à lancer déjà des actes. Donc avec combien d'aéronefs? Il y a ceci. L'entreprise est la société est prête à reprendre vol naïe. Après, c'est communiqué. Avec combien d'aéronefs, Patrick? Patrick, vous êtes. S'il vous plaît, Patrick, vous êtes un futur député. Des fois, je sais que vous trouvez dans des situations où vous défendez l'euro, peut-être. Parce que les gens vous regardent. Vous avez déjà que défendre le peuple congolais. Tu sais que le gouvernement va gérer Mokama Bemakasi. Il faut le dire. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous ne pouvez pas le dire à votre niveau. Laissez-nous le dire. Soyez humbles et laissez-nous dire ces choses-là pour que les gens comprennent que vous défendez ces gens-là. Tu sais qu'il prend le pouvoir à diminuer le prix à l'avion et à billets avion. Avec quel avion? Certainement, il y a offre et la demande. Oui, bien, certainement. Que ceux qui demandent des alliés, ceux qui offrent des alliés et belés demandent des conquistas. Ceux qui offrent demandent des alliés et belés, sont vice-versa. Combien d'avions le Congo avait quand il décide qu'on rabattre billets et avions? Combien d'avions? Tant en sous-pouvoir, Congo Airways, elle a combien d'appareils? Est-ce qu'elle a combien d'appareils, maman? C'est la question. Quand quelqu'un, des gens vous pillent 400 millions de dollars, des gens vous pillent plus de 350 millions de dollars, donc quand la présidente de la République, ils ont même des passants budgétaires à 500%, dans ce pays-là, vous pensez qu'on peut nous prendre au sérieux? Si moi et vous, en se regardant en face, nous avons un abisso, comment vous voulez ce qui manque? Toi, tu m'as député, toi, tu as une assemblée, toi, tu as mis en face, toi, tu as un service, mais tu as un ami Seka. Mon ami, Patrick Azana, tu as un ami Seka. Mboka Oyo, Mote Mamabe, les gens sont venus d'abord pour voler, pour piller. Dans ce sens, il y a ça. À l'OBI, il n'y avait pas un plan, un planning managérial. Qui devait établir le plan, qui devait établir ce plan, planning, il y a Congo Airways, qui devait le faire? Au départ, qui devait le faire? Quand vous prenez le pouvoir, à Tayoune Mozaboué, maman n'a l'émission là, Babisobon, à partir de dimanche prochain, lundi prochain, il y a une émission. Si tu es un bon journaliste rodé, tu viens pas commencer l'émission pour salle émission, aux expérience. Non, non. Tu viens t'acquérir des sexes le plateau. Tu entres en chaleur avec ce qui se passe ici. L'ambiance, la caméra, est-ce que vous avez la caméra, vous avez l'équipe technique. C'est une équipe. Les gens voient Manomi, mais derrière lui, il y a un groupe de gens. Même nous, autant que ce aussi, ça coûte un an. Il y a toute une équipe. Il faut qu'on t'en contacte Nabango. Oyo Kabango, Bayo Kapeyo. Et tu deviens un vrai manager par rapport à un message européen, même la motivation. Mais qui a fait au moment où il fallait préprendre les différentes entreprises de l'État? Je vous invite même transcrire à Okoya. On ne sait pas les dire. Ces entreprises sont en faillite. Il faut avoir le courage de le dire. Sur 26 provinces, dans un pays de plus de 200 millions sur combien de kilomètres carrés, on n'a qu'un seul aéronef. Et on est à la veille de la campagne électorale. Alors nous, on dit à Tshisekedi, alors ça, la campagne n'a vu à l'État. Parce qu'il est parmi les gens, je l'ai dit tout à l'heure, il est parmi les gens, quoi fréter, avion, voyage, tout, il ne paye pas. Il ne paye pas parce que c'est lui le chef de l'État. Les chefs de l'État, tata mon conseil, on a un bon gagné d'habitude, on va nous être discret. Est-ce qu'il fallait qu'il y ait un stade ou un?
Est-ce qu'il fallait qu'il y ait des stades au total match? Au total match, Macky Sall, Coupe d'Afrique, Sénégal, dans la finale. Au total match, il n'y a pas de salon. Parce qu'avec les déplacements, ce sont des millions de dollars. Donc, ne venons pas ici, comme si on était dans un pays. Même, vous me parlez de son discours. Je suis désolé, je ne l'ai pas suivi. Pourquoi? J'étais désintéressé. Je me disais que le chef de l'État, au fait, non seulement que lui-même, c'est vrai, ça arrive qu'il n'ait pas les capacités de communication politique, mais autour de lui, il doit avoir des ingénieurs, des génies. Je vous entends parler. Le discours du chef de l'État, c'est un discours bilan ou c'est un discours sur l'état de la nation? Une exigence constitutionnelle qui devrait se faire à la fin de chaque année. Non, je ne sais pas si j'ai bien nuancé, Patrick peut comprendre, même ceux qui nous suivent. À chaque fin d'année, le président doit faire un discours sur l'état de la nation, janvier, décembre. C'est ce que la Constitution dit. Ce que le chef a fait l'autre fois, c'est un discours 2019-2023. C'est ça la confusion. On est dans quoi? Et le pays dont Tshisekedi parle, c'est le Congo, ici de mes ancêtres. C'est votre Congo à vous, maman Naomi? C'est votre Congo à vous, Patrick? Le Congo peint par Tshisekedi l'autre fois. Non, il est dans un autre Congo. Un Congo de ses rêves, comme d'habitude. Un Congo de monsieur qui prétend, qui pense que bon, il est encore dans l'opposition avec des promesses qui n'a aucune promesse réalisée. Parce qu'au-delà des promesses faites, de l'engagement que Tshisekedi, dans l'ingala, excusez-moi, au-delà, il y a engagement au président Tshisekedi dans la bateau. Il y a exigence, au constitution est singulier. Il y a les bossos pour garantir la sécurité dans le bateau. Il y a des exigences constitutionnelles. Il y a des exigences constitutionnelles. Il y a des exigences constitutionnelles. Justice, tout Congolais, aza, même tout un n'engémo devant la loi, a échoué à nous. Donc, qu'est-ce qu'on a la promesse à Salaki? Promesse à Libosso, dans une mutation, Christian de Soukou Nazara, dans l'émission, il le bon à la téléphone. Ceux qui ont eu le pouvoir, et l'aura Libosso, dans le sang, dans le kangaba, bureau, il y a un air dans la demiap. Chérie, Bakoufi, dans le bureau, il y a un air. Tant de promesses à Sali à Kokicité. C'est quoi, il y a eu, après, dans la promesse, Moussous. 145 territoires. Patrick, vous êtes candidat député national. Malheureusement, on a Beto Mabena Tchang. Ponga, la Tamouli Komoumba. Depuis présent, Félix Sosa pour voir Ti Lelo, 2019-2021. Donc 2023, j'ai fait 21 provinces à tourner. Territoire, village, na Kotina, Kenala, Kasumbale, Sabale, Mankoulou, comment on appelle ça Lodja, na Kota Kota. Même les 145 territoires, ça n'existe que des panneaux. Il n'y a pas longtemps dans Mwanda. Même dans Mwanda, il y a des limites. Je suis quand Mabele, il y a que des panneaux, en tout cas les panneaux où on voit les chefs de l'État, à Tchessoukini, justement à Saliboye, à Minda, à Robine, à Tché, à Fouta, à Bilanga. C'est ça. On a des panneaux Zali. Exactement, on a la salle tournée dans Kongo. Il n'y en a pas. Merci beaucoup. Justement, tout le monde a dit au chef de l'État, il faut conserver Ndeko, Patrick Makanga, tous Zungelayo. Nous avons le choix entre repartir à zéro ou consolider les acquis. Est-ce que c'est un message de la campagne électorale? Est-ce que Kolongolaye na mboka ezali ko repartir ya zéro ndenga lobi na malobanaye quid sur principe ya continuité de l'État ce qui a sali déjà makambo ebeli malobo mboka yo. Bon, merci beaucoup maman Naomi Nalandi na attention soutenue mayo yo nde kozakinda la lobi. Les prétentieux candidats à Tchangouabia au battre Ngaï. Sportivement. Hein? L'exercice démocratique. On va voir aux urnes. Oui, oui. Voilà. Bonne chance, ici. Bonne chance. Merci pareillement. C'est pas ici qu'on va non, c'est pour statuer sur ça. Il y a que M. Jakinda là, avant que j'en arrive, M. Jakinda là, il dit que M. Moïse Katumbi Tchapou est très préoccupé dans des histoires. Il y a l'élection, à Banda Makamune, à la campagne Kala, commandant matériel, Banda Kala et consort. M. Moïse Katumbi Tchapou, oui, il est très occupé. Aza très occupé au point qu'il ne sait même pas condamner ouvertement le Rwanda. Il est très occupé. Patrick.
Il est très occupé de telle enceinte que non, même quand France 24 parle de M23/RDF Rwanda, M. Moïse Katumbi Tshapwe a tellement occupé, moi a condamné Rwanda Izate. Et selon certaines sources, moi je ne confirme rien, on dit que sa femme serait rwandaise. Une façon de dire qu'il veut protéger la belle famille à la population d'en juger. Tu sais qu'il dit à mal diriger le pays. Mais je vous dirais que, M. Jakindala, mal diriger ou bien diriger un pays, ce ne sont pas des déclarations de charme. Ce n'est pas par charme que nos pays sont mal dirigés, tout comme bien dirigés. Il y a des indicateurs qui définissent un pays mal géré ou bien géré. Et ces indicateurs ont été mis en place, non pas par moi et toi sur ce plateau, mais par des institutions internationalement reconnues. Parce que si nous devons parler d'un pays bien ou mal dirigé, mais allons d'abord, faisons même un raccourci, ce qui pourrait permettre en gros. Donc d'abord, on a une mesure de développement, donc l'indice de développement humain. Allons dans des mesures de développement, on te dira que on mesure un pays sur base de son PIB, sur base de son taux d'alphabétisation, sur base de l'espérance de vie à la naissance. Partons d'abord de ça. Parce que vous aimez bien dire que Tshisekedi a mal dirigé. N'a pas compris nos raisons, mais évaluons ensemble. Partons du PIB. La République démocratique du Congo a quitté d'un PIB de 45 milliards à 69 milliards en 2023. Est-ce la mal dirigée? La République démocratique du Congo a, grâce à la politique mise en place par le chef de l'État, dans la gratuité de l'éducation de base, de l'enseignement de base, a augmenté de plus ou moins 5 millions, de plus de 5 millions plutôt, le nombre des enfants où il va rejoindre Nzela Akelasi. Donc pour dire que le taux d'alphabétisation est bakisami, collègue. Élément a mis ça tout pour mesurer le développement d'un pays. Ezali, l'espérance de vie à la naissance. Alors, na espérance de vie à la naissance. Aujourd'hui, Mokonzi Mboka a lancé CESU, couverture de santé universelle. Oezoko soit en charge bas soins prénatal, postnatal et néonatal. Là, augmente, cela augmente l'espérance de vie à la naissance. Parce que l'enfant dans le ventre de sa maman est pris en charge. Tango Abimi et puis Nami Kololandi Kobimanaye. Et Matissi, espérance de vie à la naissance. Maintenant, on a trois éléments Oyo, ils ont établi sur, par des institutions internationalement reconnues. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi ne peut pas être traité de quelqu'un qui a mal géré ce pays. Trop de théories. Non, mais ce qu'il faut dire aux gens, c'est quoi? Il y a que. Il y a ce qu'on appelle politique sectorielle, politique économique. Alors, na politique économique, il y a Ecolo Congo. Il faut savoir que na éco, faut que bah être une économie tous en la ba solution mi balé. Ba solution mi balé tous en la remède économique conjoncturel. Là, je réponds à la question du téléspectateur. Tous en la remède économique conjoncturel et laxinine. Là, c'est problème et communet boy masango zangi, ba sombi masango, ba toalier masango na prière normale. Deuxième remède des alanini, c'est un remède économique structurel. Remède économique structurel et zoa kangonga, et zandenin, masango et zangi, boloni masango, et vous avez autant que cela peut, autant de temps que cela peut prendre, masango et boti. Bozui, bosomi bateau de pêche, botindi ango et kei et pêché, et libino bambisi. Bozui, bateau de pêche, non, pour dire non, non, il y a ceci. Nazo pesa, nazo pesa, nazo coupé sa bandingi ça. Koba été depuis. Accession en beau cannabis, on a indépendance. Tosundo la ka remède économique et structurel. Yangonde zala qui gage. Yako, mais ma biso na autosuffisance alimentaire.
dans l'autosuffisance alimentaire. Parce que tu as un pays qui exporte à 4, plus de 80% de ce que tu consommes. Malheur, il y a un choc, moindre choc à l'international. Il y a une guerre en Ukraine. Au pandémie de Covid, nous sommes des victimes. De telle enseigne que, sous d'autres cieux, les loyaux n'est pas retourné en Angola. Quand il y a des Angola, parce que nous-mêmes, en Angola, la vie est commis difficile. En Afrique du Sud, on vous dirait que la vie est devenue difficile. Et le malheur, c'est que l'héritage économique actuel, et ça, qu'on dépend de l'importation. Ce n'est pas le problème du gouvernement. Qui, du reste, a mettre en place un système économique efficace par l'entremise et le développement à la base, pour qu'on renforce le développement au niveau de la base, pour qu'on renforce le service et l'agriculture. Le résultat, c'est qu'il y a dans une année kakate, dans deux ans t'es autre ben on va remède économique et structurel. Sortali selon ba économiste de renom, on vous dira que ben impact il y a remède économique structurel aux gage. Il y a délivrance d'abus dans ma matali économie et je vois 10 ans remède économique structurel. Ça prend 10 ans parce que cela passe par la mise en place des infrastructures. Mais voilà, il y a tellement vent, il y a changement. Le chef de l'État a lobby. Quand le chef de l'État vous a dit. En 2023, notre économie se porte bien. Mais bien sûr, quand on a réhabilité, construit les routes, des dessertes agricoles et des routes en chaussée revêtue, plus ou moins 39 millions de kilomètres carrés, on s'est dit que c'est déjà un pas vers. Un pas des géants vers le renforcement des infrastructures d'évacuation des dessertes agricoles, le renforcement des infrastructures de base pour le développement au niveau de la base, pour le développement local. C'est déjà ça, c'est un début. Donc pour dire que certaines histoires, l'impact sera senti tel que j'ai dit, des économistes des réunions, parce qu'ils sont que remède économique structurel, ils ont quand même 10 ans. Il y a moins que notre pays, Natangi d'abord, là je viens de répondre à notre compatriote, il y a que nous avons la malédiction à cohériter, pays moko, ils ont dépendre de l'importation. Pour la colonne, ils ont un claquant du doigt. Parce que c'est un mot solo. Ben, moyens financiers adéquats, ben, investissement, et en même temps, nous avons un pays moko, que il y a une partie. Partir à SDC, un peu Mosolo Mingi pour faire face à l'insécurité. Vous voyez, tu as payé mon au banjo et c'est belle au même moment. Sur le plan d'éducation, mon condamnable Kazel. Sur le plan de la santé, mon condamnable Kazel. Sur le plan Yannine, il y a sécurité. Il y a plutôt une bague de sécurité. Sur le plan Yannine, il y a éducation. Mon condamnable Kazel. Pour dire que c'est un pays de gros besoins, de grands besoins. Donc, en termes des acquis, je voulais même j'atterris avant que, parce que là, je vous réponds, il y en a beaucoup, j'ai quand même déjà cité d'autres. Pour dire que, dans la ligne de Kojakinda, à dire que, oh non, il fallait, est-ce qu'il fallait Karakende des stades. Mais moi, ça me rappelle l'histoire de Jésus et de Jean-Baptiste. Jésus a mon mais moi, je suis venu, le Fils de l'homme est venu. Il a mangé avec vous. Il a resté avec vous. Il s'est promené avec vous. Tout cet état du soir. Vous lui traitez des brigands, amis de mauvaises personnes. Jean-Baptiste est un Goyaki Kabila. Jean-Baptiste, lui, vivait où? Lui vivait dans son coin. Jean-Baptiste mangeait de miel, mangeait de sauterelles dans la forêt, un pays très isolé de tout le monde. On l'a traité de possédé, de ceci, cela. C'est tout à fait normal. Parce que la République, les Quinois plus particulièrement, se sont toujours pleins à proximité à celle de l'État avec la population. C'était ça le plus grand besoin à l'époque de Kabila. On voulait que les chefs de l'État soient là, soient avec nous, dans des activités, c'est cela. Aujourd'hui, tu sais qui est venu nous offrir ça sur un plateau. D'ailleurs, un natif de Kinshasa, notre vieux à nous, Nakata Kinyawa, a écoffré le bisou à moi, M. Jacques Ndolabi, est-ce qu'il fallait Karakende des stades? Donc, c'est comme l'histoire de Jean-Baptiste et Jésus. Jésus qui était avec tout le monde, qui mangeait avec tout le monde, qui allait dans des fêtes qu'on sort. On lui a traité de l'ami des brigands. Jean-Baptiste qui, lui, ne fréquentait pas tout le monde, n'allait pas dans des fêtes. Lui, on lui a traité de posséder qu'on sort. C'est ça la nature humaine. Nous cherchons toujours la petite bête pour critiquer. C'est un faux débat, en fait. Donc, il faut que le chef d'État soit plus proche de son peuple, dans tout et pour tout. Et c'est ce que Tshisekedi est en train d'imprimer. Et ça fait partie des acquis à conserver. Cela fait partie des acquis à conserver. De telle enseigne que l'élan économique que nous avons aujourd'hui,
Parce que quand je parle de l'économique, je parle du taux de croissance. Je parle du PIB qui a cru. Parce que tant que PIB mati, ça veut dire que vous mati ses productions au niveau interne. Ça veut dire que vous avez une diversification économique. Nous avons croissance au-dessus de la moyenne subsaharienne pendant que tout le monde va choquer la COVID, tout le monde va prendre l'insécurité dans l'Est et consorts. Ça veut dire que notre économie est en train de tenir bon. Pendant que nous avons un taux de croissance allant vers le 8,2 ou 6%, je dis, eh bien, notre économie est en train de réfléchir et est en train de respirer. Donc, il y a un lendemain meilleur qui s'est annoncé. Et on vous dira même, les gens critiquaient beaucoup d'histoire ici, mais la production dans les secteurs miniers a atteint un niveau très élevé à cause de la politique mise en place par l'actuel chef de l'État. Donc, ces sons-là, même du côté de l'éducation, du côté de la santé et consorts, parce que quand on vous dit, par exemple, qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a 39 487 écoles et gestionnaires, plutôt a fait bénéficier na 39 487 écoles et gestionnaires des frais de fonctionnement. Je vous dis, mais ça, c'est un acquis majeur. Parce que d'attendre, ça posait problème. Donc, il y a un discours à campagne. Il y a solo réalité. C'est l'état de la nation. Quand on fait l'état de la nation, et surtout que c'était son dernier discours, il est dans le droit de balayer d'où il vient d'une manière succincte. C'est ce qu'il a fait d'une manière succincte. Très bien. C'est ce qu'il a fait. Et dire là où il est, vu qu'il est président sortant, il est en train de laisser le pays. Ouais. Alors face à cela, face à toutes ces réalisations, il vaut mieux conserver les acquis que repartir à zéro. Mais oui, mais hier on a eu ce qui a longué, tous les travail, mais oui, parce qu'on sera face des gens qui viendront tâtonner. J'ai suivi, différemment de M. Jacques Ndala, moi j'ai suivi le plan de M. Moïse Katumbi Tchapoué, différemment de vous. J'ai suivi. Merci beaucoup, mon Lamboka. M. Moïse Katumbi Tchapoué fait asseoir son projet dans l'abstrait. Merci, Ndeko Patrick Makang. Dans l'abstrait, les 118,5 milliards de dollars. Cher frère congolais, Jacques Ndala. Merci beaucoup, Ndeko. Cher frère, c'est dans l'abstrait. Il n'y a aucun soubassement. À moins que vous expliquiez, Bissot, ma pilier sur lequel il veut s'appuyer, comment il va s'appuyer. Très bien. C'est ça. Merci un bon débat. Beaucoup, Malambo Kandeko Jakinda. La réalisation, contre-réalisation, avancée, projet, est en cours. Nous allons à tout moment, il s'agit qu'on comment inaugurer par le chef de l'État. Le chef de l'État dit qu'il faut garder, conserver les acquis au lieu de répartir à zéro. De quels acquis? Félix Tshisekedi a sali kolobela neni yo yambaki atako le but que l'année qui n'a au discours monté pour ce que tout moni mobutu to loba pour maréchal les ali stade des martyrs les ali toyebi dini comment parler du peuple les ali Kabila tika moi misala pe ebele code minier et outé par Kabila misala ebele salema. Quand Félix Tshisekedi parle des acquis sous son règne azo lobela nini exactement par bon bokawe l'honorable Patrick Kanga, répartir à zéro, oui, on a raison. On a raison. Bato Bazanaye, Patrick Kanga Bazanaye, ce gars longue va répartir à zéro. C'est ce qu'il a dit, au fait. Il s'est adressé à Bato Bazana Kacha Salouana. Pardon? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Ah, sorry, sorry. Patrick Makanga. Vous avez un maman? Donc, Patrick Makanga, il y a une majorité présidentielle, autobengile le Union Sacrée, ce qui Félix a longué, il repartir à zéro. C'est ce qu'il a dit, et il a raison. Ici, il ne parle pas du Congolais lambda. Il faut faire très attention. Il faut, moi, je ne l'ai pas suivi. Je pense que vous me dites, et j'entends, les acquis comme quoi? Comment est-ce que le chef de l'État peut dire que Nambokao, si Batongi, plus de 1000 centres de santé? S'il vous plaît, Nambokani Koteni. Plus de 1000 écoles. Où? Où? À Kinshasa ici, qu'on nous suit deux à Kinshasa ici. Ndeko Patrick Alobi, nanou M. Moïse Katumbia a condamné Rwanda. S'il vous plaît, discours Oyo. Bozozongelamo Mingi. Moïse a condamné Rwanda na télévision y a Mdele. Pour tout le monde à Lingala, na TV5, na France 24. Mais c'est grave parce que Bino Bozel, le Lona Moutou, avec le Kagame Awa, na stade de martyrs, avec ovation, en humiliant la dépouille mortelle, il y a papa Étienne Tshisekedi. Kagame était au stade des martyrs. Ovationné, les images existent.
yona nyobo ya Kagame. Mouta bozo lobe la ete. Kagame est un monsieur sérieux. Mouta zo ko s'attaquer na batunyon so oyo bazay ko tele mela Kagame. Je n'ai jamais compris pourquoi on s'en prend au président Kagame, au président Museveni. Ce sont des messieurs sérieux. Madame, vous n'avez pas suivi ces discours-là? Aujourd'hui, moi, Patrick, non. J'insiste, Ndekonanga. Keba, Yebela, c'est un discours équilibré, parce que c'est pas la soukou équilibré. Olobi, vie est chère partout. Et donc, la vie est difficile partout, Covid, on s'est victimisé. C'est ça le discours que vous en avez. Il faut vous victimiser. Victimiser, pardon. Je vous aide. Je suis spécialiste en communication, cher frère. Même à la meeting, il y a eu ça, en tout cas, Bandeko, Bouébaké, Covid, Ezalaki, présent, quoi, ça, le Romorote, Bouébaké, Tozalagina, Bitumba. Commencez à vous victimiser, ça peut encore vous sauver, vous sortir tête haute. Mais n'allez pas dans les exploits dire qu'il y a des acquis. Quel acquis il y a? Tshisekedi a trouvé ce pays un et un seul. Il va quitter la tête de ce pays, le pays est en morceaux, et nous avons la présence des armées étrangères. C'est une haute trahison. Si on avait un parlement sérieux, on allait le traduire en justice. Si on avait un parlement sérieux, un parlement obisso à Jakito Okotaka. Parce que Ngaï, Nasiboyibinga, quand ça ne va pas, t'en a ni Nakati dans l'Obaka. Évidemment, dans ce pays, ça a une raison. On était dans le Mekambo, le bien présent Moïse, il fallait Zala présenter le projet. Oui, je l'ai dit en interne. J'ai dit non, il fallait reporter. Non, il fallait pas s'approprier. Programme est un projet. Projet à Moïse. Bon, il y a eu le représentant en tant que qui. Pour lui, il appartient au représentant, porte-parole spécial, tout. Non. Ça, c'est moi. Quand ça ne va pas, j'ai dit ça ne va pas. J'ai dit ça en partie, ils ont raté. Il fallait présenter mon attache à charger, il fallait bon reporter. Azana bavion ngaya asala mais asala présentation à projet naï. Donc moi je suis pas comme vous, même quand ça ne va pas, vous dire non, il faut avoir le courage. C'est ça, il y a un débat électeur. Ah, mais en tout cas Patrick Makanga, ah, c'est la vérité. Mais ça la fâché, mais comment on va dire alors la vérité. C'est ça, tout ça un peu de campagne papa. Muto ben on a zaté. Bon, peut-être que vous allez sous moi système en campagne, mais bon. Ok, tu as rencontré la belle famille, il y a président Moïse. Ah, Patrick. Patrick, vous êtes homme politique. Vous êtes un homme d'État. Votre épouse, dès que vous l'avez épousée, d'abord, maman, quand il est rwandaise, c'était. Parce que vous avez dit que vous avez un discours populiste, vous avez un limbicier. Donc, non, il ne faut même pas parler de ça. Mais ça, j'ai dit dans l'opinion que. J'ai dit ici, aujourd'hui, que maman Naomi, au côté de Nam. Quand on a la TV, on a un Rwanda. Tout le monde est là, tout le monde est là, maman, on s'est rappelé. Ton anniversaire à maman, tout le monde est là. Alors, ce qui est tout le monde est Rwanda, papa est Rwanda, c'est le monde solo. Yoko boy, il n'y a pas de Rwanda. Lélo. Tout le monde est là. C'est en fait ça le débat. Vous avez un débat au terre à terre. D'abord, maman Karine est rwandaise. Discours à étranger, wana, n'a mon nom, pina, n'a pas de soucis, tout mettre ma solo, wana, la télévision, n'a pas mon maman, oui, ou bien tout ça débat les colos. Un gars, pendant l'honorable Patrick, dont tout son solo, il y a un lobby en boca. Il y a qui me sont de père et de mère et d'épouse. Non, mais c'est du n'importe quoi. Ça, il y a quatre opinions. Non, oui, malheureusement, il faut tout manifester regret, n'a pas, c'est normal. Il faut aller au Gabon, c'est encore. N'a pas, boca, le col, la bise, oh, tout ça, n'a plus de 400 ethnies, plus de 400 dialectes. Déjà, le fait que Kabola va province, on a dit que Kabola va te bêler. N'est-ce pas bon? N'est-ce pas bisson à Kassai? Tout ça, il y a Bindji, Naba Tetela, Naba Chokwe, Naba province Moko. Mais là, Kabola, il y a Bissou, Tetela, Kabola, Tetela, Kabola, 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 Kabola. Donc, on doit consolider ce que nous avons. Malheureusement, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, tout ça, un débat, un tribalisme, un côté Makassi. Non, non, Masolo, il y a un déco. Masolo, il y a quand même un peu de temps, parce que Kagame, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a comment dire PIB 400 combien c'est Nazan on a tout pardon entre nous soit dit tu oublies beaucoup de choses sur le plateau même ce qu'avaient dit les journalistes n'a pas rappelé la caillou donc même on a dans le lobby mais pourquoi comment on a tourné au lobby en plus avec un très bon cahier déjà ils ont la campagne candidat nayo avec un stylo fallait quand même écrire non parce que retourne sur la bande de et le débat risque de perdre son sens parce que moi, je vous suis religieusement. Mon cher. Donc, quitte à vous de me suivre pour que nous ayons un débat constructif. Patrick, une émission comme celle-là, c'est une discussion de salon.
Na komi bien été na tunio pour répondre à gentil. Yala bisco. On est des adversaires. Alors maintenant je sais. Na tam sou na bien été. Pour rappeler na za carnet oui, na carnet à congrès à DKP. Premier congrès à candidat. C'est de ce quoi mon nom. Et ça congrès à il y a DKP. Ça c'est déjà une campagne électorale. Non, c'est pas une campagne. Oyo tient la chance de campagne te. Yo, tel appelons mon nini. C'est ça mon nom. Voilà. PIB le PIB combien je sais pas. Patrick, na ninga to sur la web. Bon la même sur la TV ba PIB te. Ba électeur no ya chango. Ma maman ya Mjili, ya Masina, ma maman Mikonga, donc ba yebi makambo ya PIB te papa. Ba ba ma dollar. Patrick, tu sais que dans le pouvoir dollar il y a la tonine. Le les anatonines. Expliquez bango. Qu'est-ce qui a fait que dollar mata bongo? C'est tout. Qu'est-ce que le gouvernement de PIB au moni taux de croissance macro tété. Patrick, sauf qu'on a discours, on a changé au Benganao. Donc, il y a eu ce moment bandeko. Dollar et matagi pour la boue, n'est-ce pas, tout ça, la boue, n'a boue. Donc, voilà un peu ce que je voulais ajouter. Alors, concernant les soins de santé, maman, Patrick, je reviens encore ici. Patrick, on a Kinshasa, on va dans la Tchangou, je pense. Bien sûr. On va dans la précisément. Moi, on a la Bible. Le sang numéro 24 à Massina. Très bien. J'ai étudié à l'EP4 à Massina. Bravo. J'ai obtenu mon nom d'état. Non, c'est dur. Merci beaucoup. C'est bon. Il y a la Vandi dans la Bible, la Sima, Sébastien, c'est comme ma station. Mon frère, tant qu'il y a une Obinanji, le Skovandak. L'hôpital est un lieu de santé, Ophélé. Et c'est qu'il y a un hôpital, maman, Oyo, électrice, Nayoan, à Ogenobot, Ophélé. Tous les hôpitaux, maman Naomi, est-ce que c'est normal? Vous savez, on a cadre mot électoral au Bénin. Est-ce que c'est normal? Pendant que les médecins sont en grève, pendant que les infirmiers sont en grève, nous avons lancé maternité, ce qui est une maternité gratuite. Est-ce que vraiment, Bozo Salamarambo, le coup la battue, nous avons la Bible. Dans mon hôpital Moroté, dans la commune, on a vendu d'abord dans le dans mon hôpital Moroté, où il y a un bout de Ophélé. Donc, on a eu qui est non, mais il n'y en a pas. Dans notre option tout à l'heure, ils ont la prérogative constitutionnelle. Oh, il faut ça là. N'a pas promesse sur la paix Sabiso. Il devait commencer par les promesses. Il y a comme ça un Congolais millionnaire. Ce sont des promesses fermes. Il y a un jeune millionnaire récemment. La franc congolais. Ils ont une franc congolais dans le dollar. C'est aussi une question. Parce que tant qu'il y a comme ça un Congolais. Il y a comme ça un Congo à main d'Afrique. Donc, combien tout au commun a deuxième mandat. Pour deuxième mandat aux gens. Tu sais, maman, tu regardes l'élection. Oui, je vous dis, en regardant cette caméra-là, nous allons aux élections le 20 décembre, le mercredi 20 décembre. Parce que quand vous avez vidéo, vous enregistrez. Tu sais que dit Félix Tshilombo ne fera même pas 10%. Si la CENI est sérieuse, il ne fera même pas 10% à la urne. Très bien. Merci beaucoup, Oto, Célissa. Mission à l'élo, Tozo, comment on a souka, de comment on a lobby de combat tribalisme, Tozo, le bilango. Justement, tu apprendre na oui, Salemaki, Kunana, Malembankoulou, Kunana Katanga, Bazali Kouakize, Baikepe Basusu, Ndeko, Patrick Makanga. Est-ce vrai que ma politique, Bazali, na responsabilité, na maïe, oui, Salemé, Kuna, ce qui est responsabilité, Zali, sa responsabilité, ni pour Babi, Baye, à pouvoir, pe Bazaki ko matisa moto na marambotali tribalisme depuis beaucoup ti a fait des sekete. Est-ce vrai ou faux? Et si c'est vrai, quelle est la place de responsabilité aux ezozongi la baï politique, surtout dans temps où zokin la élection malgomboka? Bon, ce qui est d'abord regrettable, c'est le fait que certains politiciens véreux, Yamite Mamabe, Bazaki ont utilisé le tribalisme comme arme pour essayer de désolidariser la population et la unité nationale au Tuzanayango. Parce que vous verrez même dans les discours de beaucoup de nos compatriotes, même dans le média, tous en avant, de fois en face, quand ils viennent, non, Batye Mouloub à place telle, Batye Mouloub à place telle, Batye Mouloub à place telle, Batye Mouloub à place telle. Des fois, ça, c'est ce qui met mal à l'aise, au fait. Ça ne vaut pas la peine. Nous sommes tous des Congolais. Je pense que nous devons nous considérer, à juste titre, comme des Congolais. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est vu à Malembankoulou. Moi, j'ai fait un tweet disant que nous sommes très loin d'un État-nation. Parce que l'État-nation nécessite un même état d'esprit où nous nous considérons frères au-delà de nos appartenances tribalo-ethniques. Mais curieusement, aujourd'hui, tous en a pensé héritage moko rétrograde Oyo Isalaki entretenu par des Belges à l'époque pour essayer de nous mater. La politique de diviser pour mieux régner a commencé avant même les débuts de la colonisation. Parce que les gens pensent que
Le Belge était venu, un homme bon, il a salué les Africains, le Noir qui était là. Je suis venu vous coloniser, asseyez-vous là-bas, prenez la chaise, alors on commence à apprendre de vous. C'était des combats ici avec ces puissances occidentales. Mais ils ont réussi à nous imposer leur système, leur colonisation, l'Ikolo Anini. L'Ikolo y a bah, division entre nous, entre Africains. C'est ce qui a donné la force aux puissances occidentales de nous mater aujourd'hui. Mais si, plusieurs années plus tard, l'homme noir, congolais plus particulièrement, on est toujours dans des qualifications d'ordre tribal, ça veut dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore compris qu'il nous faut un état d'esprit unique pour faire face et parer à toute éventualité. Katangé, Kassayen, Bandundu, tout ça du soir. Moi, je suis Mumbala du Bandundu. Mon frère, il est du Kassai. Vous êtes peut-être Congo Central avec votre nom, tout ça du soir. Peut-être Congo Central, Équateur. Nous sommes tous des Congolais avec un même état d'esprit. Moi, je pense qu'on doit condamner ce genre de dérives. Quelles que soient les raisons, il faut condamner ce genre de dérives parce que ça, c'est rétrograde, en fait. Ça nous rabaisse. Je suis avec étonnement certains propos de mon frère, toujours, voulant faire la campagne des SAP pour la campagne de son candidat, oubliant qu'il y a la population qui vit la réalisation de l'actuel chef de l'État. Et l'objet était... Ndekozaki na la nayo soke na République démocratique du Congo, tozali na bazone de santé. Tozali na 8266 heures de santé. Oyo d'ailleurs na ba état des lieux, là c'est que 1600 pambande tongama en matériaux durables, soit 12%. Alors, ce qui est dans la zone de santé, c'est là où se trouve la gratuité de l'enseignement, ainsi que certains hôpitaux qui sont portés garants. Certains hôpitaux privés, malgré en gros, c'est pareil aussi avec des écoles. Ce qui est dans l'hôpital, il y a ma soeur, na Kingasani, aujourd'hui, c'est gratuit, parce que c'est la zone de santé. Ce qui est dans certains hôpitaux, moi, je ne suis pas un professionnel de santé, mais ce code, on appelle ça même code. Et pas à Moutinho Salinga vérifier la zone de la santé. Si vous avez assis, c'est un code là, dans le réseau. Tu as la cartographie de toutes les zones de santé dans la ville de Kinshasa opérationnelle. Tu sais qu'en Galéma aujourd'hui, il y a la gratuité de la maternité. Mais il y a l'effectif pléthorique là-bas. Galéma, qui peut m'outaouti, si qu'à son mot, quiconque veut, ataouti, et pas nabiso kuna na masina, ataouti, pas nabiso kuna na kimbanteke, ataouti na route à mot, kali kuna, na kati kuna, pour que tu vas faire boire et consort. Ah, il y a un robot en Galéma. Oui, oui. Il y a que robot, on a une robot. Mais l'éther, non, voilà. Non, maman, mais je vous dis des choses vérifiables. Je vous dis des choses vérifiables. Na maman, il y a moi, des gens. Bon, robot, il y a Ophélie. Bah, robot. Non, non, bandit, robot, t'es. Parce que nous, bandit, ça la terre. C'est ça. Mais, bandit, ça la terre, de Kozakinda là. Ça fait partie de l'infrastructure sanitaire réhabilitée. Donc, pour dire que, en principe, de bonne foi, et si vous voulez vraiment diriger ces pays, si seulement si vous avez vous avez qu'il n'a quand et en dirigeant Mboka, vous devriez dire nous saluons les efforts de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais nous apportons un plus-value. Nous saluons les efforts merci de beaucoup. Nous saluons les efforts non, de Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Nous apportons de s'enrichir personnellement. Un plus-value. Ouais. Mais si ces gens se mettent à tout nier, ça veut dire qu'ils n'ont même pas le cœur dans la chose. Parce que depuis le début jusqu'ici, M. Chakindala n'a pas été à mesure. Il y a Kobek Labiso Lissolo, ne fût-ce que. Il y a posé, il y a Moïse Katumbi, Tchapo, ce n'est que critique. La question n'a pas été posée. Critique, tu sais la question ne m'a pas été posée. Non! Il fallait nous amener sur des plateaux pareils, votre offre. La question ne m'a pas été posée. Moi, je vous parle de réalisation sur base d'une expérience palpable qu'on peut toucher. Je vous ai parlé de. Les éléments qu'on qualifie pour mesurer l'indice de développement humain. Natangé le bloc, le chef de l'État se retrouve. Les besoins sociaux de base, accès à l'électricité, à l'eau potable, et consorts. Aujourd'hui, à ma campagne ici, Nabinza Pigeon et consorts, Bandago Zanamaïté. Si tu parles là-bas, tu vas trouver de l'eau sortie. Vous parlez de plus de Kinshasa et l'intérieur. Non, permettez-moi, il y en a beaucoup. Non, on le bat beaucoup. Merci. Ça atterrit. Accès à comment à l'électricité, ce sont les besoins sociaux, il faut dire à la population, accès à l'électricité.
Aujourd'hui, il vient d'inaugurer la ligne Zongo 2. Mon frère, tu as parlé pendant 15 minutes. Mais la station Kintuka. Non, parce que vous n'avez pas d'offre, permettez-moi de parler. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Les infrastructures. Je vais vous envoyer le projet. N'en parlons même pas. Je vous envoie le plan. Je vous envoie le plan de Moi, j'en ai. Vous l'avez. Pas m'envoyer. Bien le lire. J'en ai. Il faut expliquer à la fois bien le lire. Regarde. Votre merci, Ndeko. Alors, Patrick, vous en êtes capable. S'il vous plaît. Ndeko Jakindala. C'est vous qui commenciez la parole. Moi, je suis en détresse. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Ndeko Jakindala. C'est après vous. C'est vous qui avez commencé. C'est vous qui commencez le premier. Non, c'est vous qui lancez les débats. S'il vous plaît. Non, c'est vous. Non, non, demandez à madame. On t'a reçu en premier. Nous, j'ai été reçu, mais la première question t'a été adressée. Ndeko Jakindala, Maroubombo Kawayo, la question. La question sur le tribalisme depuis un moment, c'est vrai que déjà, il y a une situation sous contrôle, il y a une autorité, mais bande communique, quand on a bien entendu le combat tribalisme, il y a un décomonde au Simba, même Moïse Katumbi, il y a un village, est-ce que vous vous sentir responsable et de deux, votre programme de société est ambitieux, est-ce que vous allez d'abord tribalisme je pense que vous l'avez dit même message à présent Moïse après l'incident il y a Malemankulu a dénoncé Ango a signé dans ma conzi a établi ma responsabilité. Ça prouve que c'est quelqu'un déjà qui n'est pas d'accord avec ça. Moïse Katumbi le lobby sur Zoloba candidat numéro 3 a zali Oyo Ako unifié Congolais. Moïse Katumbi a zané coloté au Zoloba qui a propos tribaux et bandit dans Daniel Safou. C'est plus tard après le chef de l'État lui-même a tenu des propos tribalo-ethnique dans Mbujimayi au Bosani. Tout ça en 2001, présent devant la population Mbujima, il y a lobby, en tout cas, il y a des gens qui ont voté pour la campagne à l'époque, 2001. Pour voter, il y a un deuxième mandat sur les îles, il y a un awa, pour voter, il y a un machin moment. C'est une façon de propos tribal, hautement tribal, parce que le chef de l'État, la casquette, naïe, institution, a un attributé, a un père de la nation. C'est qui l'autre, comment on l'appelle encore, Mondo peut parler. C'est un citoyen, c'est un député qui encore. Même Moïse Katumbi, c'est un citoyen, il peut parler. Mais quand on est chef de l'État, tout ça la réserve, sérieusement, il y a que ça la tension. Les gens ne comprennent pas en fait. Être chef de l'État, c'est le rôle de l'abysso. On a combattu plus de 450 tribus. Tant que personne ne va que non, mais ça le coûte à te. Non, ça le coûte. Félix a vu tout. Mais je ne peux pas les soutenir simplement parce que Nazan Moulouba. Non. Et ça, c'est gouverneur, il y a province ou tribalo-ethnique, ce sont pas des... Je dis ça, ça passe encore. Mais un chef de l'État, c'est grave. Donc, Patrick, toujours qu'il y a une campagne, toi, dans la campagne dimanche. Dans le cas où je suis en train de ou l'acceptation, il y a 5 centres dans Tchang. Ou bah, maman, il y a un peu de temps. Et ça passe. Maman, il y a un peu de Fumuketo. Alors, il y a un peu de temps. 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 D'abord, on dit les athées. Quand la Kinshasa, pour que tu aies un peu de temps, na boulevard, il faut son moto dans ma condition difficile. Ambulance, exacte. Mon frère, tous ces moqués n'ont pas tout en la tête. Basaba électeur, on a sa confiance. Nous devons nous battre, nous devons nous battre, pour que nous devons nous battre. Quand on a besoin de vidéo, tout le cas. Tout bunda, pour Tchangwana, ils ont mis la miroir, il y a un moka. Moi, ma photo, c'est ma maman, non, mia, ma photo. Tchang, il faut s'en débrouiller. Puis, on est en train de se côté, ça me balance, on a Tchang. Deux mots sur votre projet de société. Non, le projet de société, présent, Moïse, il y a 4 piliers. Il y a les bossos, ils ont ma casse, c'est la consolidation de l'État. Parce que Moïse, en fait, c'est le constat fait. Il dit tout à l'heure que Moïse a quoi défendre. Non, non, Moïse ne vient pas pour des parlotes. Azam, a mouta bilobé la thé. Azam, mouta ka boa boa thé. Moïse, c'est un homme d'action.
Non seulement ils ont un plan d'action, ils ont quatre piliers, ils ont une expérience parce que Moïse a eu à diriger la plus grande province, Yamboka Oyo, avec brio. Personne dans Robo Yangwazate, il y a quelqu'un autour, un grand prêtre, sénateur, bah, tu nous peux expliquer que Johanna, bon, ma tabou qui est en ligne, Aïbissinga Bété, bien que le président de l'Assemblée et de la Sénat, à tout le monde, il y a un niveau de gestion à expliquer. Mais mon moment gestion, je sais ça, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a 100 dollars, il y a un peu de temps, 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 Moïse a dû gérer. Et là, on Moïse a Simbara et comme Rawolo. Tout ça est chance. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais quand il dit qu'il a aussi sa guerre dans 6 mois, ça. Il y a un humble. Moïse a choisi le pouvoir dans 3 mois de guerre aussi. Ah bon? Voilà. D'abord, un discours managérial. Diplomatie agissante. Moïse a entré ébélé. Moïse a des lobbying, mère. Il a jeté. Le président, tu le sais, tu le sais. Patrick le sait. Oui, raison pour laquelle c'est un candidat de l'étranger. Ah bon? Mais oui! Un instant, mais c'est ça le problème! Tu l'as dit! Non! Avoir de lobbying! Non, non, non! Voilà, c'est ça le problème! C'est malheureux! Le lobby juif! Ozali, Oza député! Il a le lobby juif! Un instant! Tout à l'heure, Naoui, c'est Oza homme d'État! C'est une sorte de lobby juif! Non, tout à l'heure, je viens de vous dire, vous êtes un homme d'État. Vous ne pouvez pas diriger ce pays-là sans de lobbying. Tu le sais. Le lobbying, c'est quoi? Le lobbying, ça veut dire quoi? Finissez. Évidemment. Pourquoi tu serais d'échouer? Pourquoi tu serais d'échouer? Parce qu'il n'a pas de contact à l'extérieur. Ok, si tu serais d'échouer, si tu serais n'avait pas avec de lobbying, pourquoi il a fait plus de 1000 voyages dans le Liban? Azgana ou Lugani? Azgana ou Lugani? Merci voilà. Beaucoup. Et Katoum, il n'a pas besoin de merci ça. Beaucoup. Merci beaucoup. Il a un contact, il a un carnet d'adresse. Merci, maman. Oui, l'autre, monsieur, qui est dans le baguette, a pécié au Nabiso, a pécié quand même au Nabiso pour avoir un carnet d'adresse. Moi, il a un carnet d'adresse. Merci beaucoup, maman. C'est un monsieur préparé, prêt à dire ce qui est vrai. Il faut reconnaître qu'il a si bien dit, il a reconnu ce que j'ai dit tantôt. Moïse Katoum Tchapoué, c'est quelqu'un qui a de l'ancrage plus en extérieur qu'à l'intérieur. Le Congo en a besoin. De telle enseigne que. C'est un candidat qui est porté par les Occidentaux. Oh là là. Les passe que les Congolais. Raison pour laquelle c'est là où Moïse Katoum Tchapoué est dangereux. Non pas seulement lui en tant qu'individu, mais dangereux contre le pays. C'est bien dit. Dangereux contre votre régime. Dangereux contre votre régime. Tchapoué, la peur. C'est ça qui justifie le fait qu'il est incapable de pointer du doigt au Rwanda. Pourquoi? Parce que M. Moïse Katoum Tchapoué, c'est un candidat de l'extérieur. C'est un candidat des étrangers, mais pas un candidat des Congolais. Très bien. Pourquoi? Parce que M. Katoum Tchapoué réclame sa paternité juif. Yango Fongolais va lobby parce que papa n'est pas juif. Il n'a pas le sang des Congolais. Oh là là. Parce que le sang s'est transmis de père en fils. Patrick, vous êtes homme d'État. En termes de sang, non, parlons. Non, nous avons même notre droit. Yuzu Sanguinus. Vous êtes homme d'État. Yuzu Sanguinus. Non, ça je vous dis. Vous êtes un homme d'État. Le sang s'est transmis de père en fils. Patrick. Moïse Katoum Tchapoué de vous par êtes son sang. Un net, un il homme d'État. Un étranger. S'il faut qu'on s'attarde là-dessus. Maman est congolaise. S'il faut qu'on s'attarde là-dessus. Non, mais oh là là. S'il faut qu'on s'attarde là-dessus. Patrick, vous devez savoir qu'il y a des tribus où l'enfant appartient à sa mère. Ça aussi, il faut le savoir. C'est comme ça dans la tribu de Moïse Katoum Tchapoué ici. Pourquoi? Parce que c'est un projet creux. Comment? La couverture santé universelle. Ce n'est pas une activité déjà parfaite pour Ousmane Yango. Très bien, merci. Patrick Morgan a pilotage. Pour dire que merci, on est, je suis content. On se retrouve demain. Au revoir.